n'est pas Coccinelle qui veut. Eux, par exemple, c'est non direct. Là, il y a déjà du mieux, mais ce n'est pas encore ça. Enfin, la Coccinelle, c'est comme ça qu'on l'aime. Et aujourd'hui, c'est un chant de Coccinelle qui s'offre à nous, puisque nous sommes au Beatles Sunshine Tour, dans le nord de l'Allemagne. C'est en effet à Travemünde, que l'on pourrait apparenter en deux villes de la banlieue de Lübeck, que s'est déroulé ce rassemblement. Plus de 700 véhicules ont fait le déplacement. La 13e édition du Beatles Sunshine Tour a eu lieu du 18 au 20 août. Les longues allées de Beatles y sont essentiellement composées de modèles des deux dernières générations. Quelques anciennes étaient tout de même présentes, un peu éparses. Il faut dire que les nouvelles doivent beaucoup à leur ascendante. Et la plus célèbre des coccinelles, c'est sans doute elle, Choupette ou Herbie de son vrai nom. Mais ici, ce n'est pas la seule star. La fameuse coccinelle frappée du numéro 53 et vedette de plusieurs films fait encore des émules, puisque même les modèles plus récents lui rendent hommage. Mais les véhicules présents rappellent que la cox est associée à une certaine idée de la folie douce, qu'elle soit mécanique ou plus souvent, ici, artistique. Les propriétaires s'en donnent à cœur joie, à l'extérieur comme à l'intérieur. Mais surtout, ils nous rappellent que l'esprit flower power n'est jamais très loin et que la cox peut être la voiture de l'amour. Et pour les amateurs de modèles plus musclés, on pouvait croiser la New Beetle RSI de 224 chevaux, commercialisée en 2001, ou la version GRC de 560 chevaux qui était sobrement exposée. Et même si le nom Coccinelle est utilisé uniquement en France, eh bien la bête à bon Dieu est tout de même ici bien présente. Car ce ballon ne parlera pas à tout le monde, l'auto s'appelant Beetle dans la majorité des pays. On trouvera également le petit nom de Käfer, apposé de ci de là. Mais aujourd'hui, il faudra se tourner vers les marchés italiens et français pour trouver un nom affectueux et exclusif au véhicule qui cultive son culte dans chaque pays. Et finalement, les Beatles ont joué à la chenille en formant une procession le long des routes allemandes, attirant bien des regards et de la sympathie de la part des passants. Il n'y a pas à dire, cette coccinelle reste une sacrée bête de scène.